Silk is testament to a beautiful transformation of nature. It has also been beautifully transformed by human hands. A shimmering and delicate material, it has been adored by man since ancient times and is associated with refinement and elegant taste. From its use in simple dresses to lavish evening gowns, silk has won over the hearts of people around the world. However, traditional silk weaving is complex and meticulous. Luckily, this technique has been passed down from generation to generation, so we can still appreciate its exquisite beauty. To reward brands that preserve excellent traditional know-how, including silk weaving, the French Higher Institute of Trades awards the EPV label. En France, il y a beaucoup d'entreprises depuis des siècles et des siècles qui ont un savoir-faire exceptionnel et qui travaillent dans tous les secteurs d'activité. Et dans ce cadre, le ministère de l'Économie et des Finances de la France, donc le gouvernement, a souhaité en 2005 reconnaître le caractère exceptionnel de ces entreprises et de leur donner un label d'État pour que ces entreprises puissent à la fois se maintenir, se développer, mais aussi pour mieux transmettre à la fois leur savoir-faire et leur caractère exceptionnel. C'est dans ce cadre que le label Entreprise du patrimoine vivant a été créé depuis une loi en 2005. Et à partir de 2006, ces entreprises ont commencé à être reconnues dans le cadre de l'exception française. Lyon, a historic city at the confluence of the Rhône and Saône rivers, has been listed as a UNESCO World Heritage Site. La Croix Rousse is a small hill located in the city. It is nicknamed the Hill That Works, because over the centuries, silk workers have established an industry on it. Originating in ancient China, sericulture later spread to Europe. During the Renaissance, it began to flourish in Lyon. By the 18th century, Lyon had become a center of silk production for European royalty. Today, a number of workshops here that possess this traditional know-how have received the EPV label. Prela is a family-owned silk workshop in Lyon that has been passed down through many generations. Les origines de la maison Prel remontent au milieu du XVIIIe siècle, quand la société s'est fondée en 1752. Et la société Prel est l'héritage d'une transmission de génération en génération entre les familles des Farge, des Chazelle, Prel, Verzier, etc. In its hand loom workshop, weavers are still using techniques from the 18th century. Their work requires a smooth coordination between hand and eye.
It requires extreme attention to detail to create a pattern with numerous threads. La soie est arrivée à Lyon après François Ier. Ça a été un long apprentissage. La soie est arrivée de Chine en Italie, puis d'Italie en France. Il y a eu un long apprentissage. Puis petit à petit, les Lyonnais ont rattrapé sur le plan du dessin, sur le plan de la technique, sur le plan de l'inventivité mécanique. Et aujourd'hui, Presles est le dernier représentant qui existe encore, qui maintient cette tradition d'articles de soierie de très très haut niveau pour la décoration de la maison. In the early 19th century, a Frenchman invented the Jacquard loom, which can produce intricate patterns on the fabrics using punched cards. This avoided complicated manual work and greatly improved efficiency. These old Jacquard looms of Presles witnessed the revolution of the French weaving industry and the inheritance of this know-how. In the modern workshop, electrified devices further accelerate the production process. They can handle thousands of threads at a time. The threads are seamlessly woven together to produce a much more complex pattern. Moi, je travaille rôle de tisseur à Presles, ça fait 3 ans. Agent tisseur, la première chose, il faut qu'on écoute les consignes. Les consignes de le formateur, c'est quelqu'un qui va le former. Tout le monde qui travaille là-bas, chacun son méthode pour prendre bien les tissages et il travaille bien, peut-être mieux que les anciens. Presles has preserved its historical designs and archives over the past 2 centuries. On the pages of these books, we can find the legacy of the company and the different fashions of the times. L'un des grands atouts de la maison Presles, c'est d'avoir très soigneusement préservé depuis le début du 19e et parfaitement référencé au moins un exemple de tout ce qu'on fabrique. Donc en plus de 2 siècles, on a accumulé une collection énorme de documents qui ont été refaits, de choses originales. Et Presles dispose maintenant d'une collection extrêmement riche d'archives. Parfois, certaines sont uniques au monde. Presles est un des derniers soyeux lyonnais, société familiale entièrement. Et je suis assez fier, mais c'est aussi une lourde responsabilité que d'avoir reçu comme héritage de mes parents, de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, cette société qui est encore une fois quelque chose qui est maintenant complètement unique en France. Velvet, traditionally made from silk, has a unique, luxurious texture. Its soft fibers create a surface that feels extremely delightful and soothing.
With more than 150 years of history, Velours de Lyon has been known for producing quality velvet. The production of this requires very nice skills all through the process line, including the buying of silk, mainly from China, potentially from Brazil sometimes. So the skill is complex and requires experienced people who are very careful about their jobs, the respect of temperatures, time, tension, all the little details that makes a difference. Compared with other fabrics, velvet needs many more threads to produce its special texture. It involves a series of procedures that take years for weavers to master. To keep the production going, we definitely need to bring people, new people, to learn the job and to like the job and to understand that it's not a pastime job that they are going to stay 1 year or 6 months. It takes a long time to get the experience. We can't say that less than 5 years is really the minimum time to get around in this job, in the production, because the threads are very small. There are over 20,000 threads per meter. Usually we have a lot of people who start their career here and finish it. It's a life job. Since its early days, velvet has been adored by royalty. No matter how fashion changes, it has always been an important fabric. Now it has been given more and more colorful interpretations. In the workshop, the colorists apply colors to the velvet by hand. They mix different colors to create unique palettes and infuse creativity and feeling into their work. Mon travail consiste à apporter de la couleur à la matière sur le tissu, sur le velours. Au niveau des les colorants que j'utilise, on utilise des colorants liquides. Ces colorants liquides sont préparés par les teinturiers. Donc, on prépare des colorants de base, c'est-à-dire que on me prépare du rouge, du vert, du noir, du jaune, du rose. Ce qui est intéressant au PAMA, c'est que contrairement à l'imprimé du tissu, c'est qu'on peut apporter autant de couleurs qu'on veut, où on veut, les mélanger, créer des ambiances, ce qu'on ne peut pas faire avec des machines, tout ce qui est automatisé. As a family-owned business, Velours de Lyon has preserved rich archives of its past velvet production. These archives are also an important source of inspiration for the company, inspiring it to continue its beautiful craftsmanship. With the deep-rooted silk tradition in Lyon, there are also workshops of different silk products. Duitel started as a workshop producing neckties.
la société qui a été fondée par mon grand-père et mon grand-oncle. Dutel est une société industrielle familiale spécialisée dans la création, la fabrication, l'ennoblissement de tissus jacquard pour le prêt-à-porter féminin et la cérémonie homme. Nous disposons de deux sites, un à Panissière dans la Loire, où nous intégrons l'ensemble des processus de fabrication des étoffes, l'ourdissage, le tissage, l'ennoblissement, ainsi qu'un site à Rieux-la-Pape où nous sommes, où nous avons les équipes de style et commerciales. In Dutel's modern workshop, fabrics are woven at an astonishing speed. After being woven, the fabrics need to go through a series of processes to produce an elaborate finish. The fabrics are also required to be tested in different ways. The pilling test assures the wearability of the fabrics. The extension test challenges the strength and stretchability. Only those fabrics that pass all the tests can qualify. Dutel has a team of designers that create unique patterns. Their creativity and imagination is where the beauty of the fabrics begins. Nous sommes une équipe de 5 personnes essentiellement dédiées à la création et à la recherche, avec 12 personnes qui font à la fois de la mise en carte et aussi du dessin sur ordinateur. On fait 2 collections par an, de 400 références environ, chaque saison. Mais on commence toujours nos collections par des informations que nous avons en amont de cabinets de style qui nous aident à démarrer. Une fois que nous avons sélectionné nos essais, on commence les recherches. Nous avons en bas une grande bibliothèque d'archives qui nous permet de trouver des idées. Après, on valide tous les échantillons qui sont intéressants pour la collection et on les lance avec des colorations tendances. Today, this family business, along with its pioneering spirit and vision, has been passed down to its 3rd generation. It embraces technology, but also preserves the essence of fabric-making traditions that can never be replaced. Les évolutions techniques, la CAO, les mécaniques jacquard électroniques, le réglage électronique de nos métiers nous ont permis de libérer notre créativité et nos possibilités. Par le passé, la création d'un dessin pouvait prendre plusieurs semaines. Aujourd'hui, un motif très compliqué sera réalisé en quelques jours. Notre savoir-faire a évolué au fil des innovations techniques, mais les bases restent les mêmes. La vision de l'étoffe du dessinateur n'est pas remplacée par l'ordinateur. Le point commun de tous ces projets, c'est d'intégrer notre savoir-faire du jacquard et l'offrir à nos clients pour des produits toujours renouvelés et créatifs.
In these workshops of Lyon, weavers turn their threads into time-honored craftsmanship. It is their dedication and feeling that give a special touch to the fabrics, keeping the heritage of traditional weaving alive.